C'est Joe qui chante puis joue au clavier. Peter. Occupation, guitar player, lead guitar. And. Mon nom c'est Alain. Songwriter. Va de bon cœur, mon nom de famille. Je suis batteur de Grimmscott. Co-manager. Where's everybody et else? Puis, mon pseudonyme, ouais, mon nom, c'est Marc Saint-Maurice, mais c'est un secret très bien gardé, qui d'ailleurs ne se gardera plus longtemps, mais c'est aussi connu sous le nom de mon Boris. C'est Franz, oui. Je suis chanteur, guitariste dans Grimmscott. Thank you.
avez rejoint la boîte vocale de Indica, Grimskunk et Simon. Laissez-nous un message. On vous rappelle dès que possible. You've reached Grimskunk, Indica, Simon, and the rest of the family. Leave a message and we'll get back to you. Ah, laisse-moi ton camp. C'est eux les vedettes. Bonsoir, Montréal. On s'appelle Grimskunk. Fuck la police! Puis j'arrive là, c'est comme je vois un monsieur cheveux longs, un Jésus-Christ avec une serviette autour de la taille puis avec une guitare sèche. Je dis, c'est qui ce hippie là, tu sais? En fin de compte, c'était France. Puis France, il commence à jouer de la guitare puis je joue du R.E.M. dans ce temps-là. Il crée ta guitare, il joue du R.E.M. tu sais. Il parlait que je dans un groupe, puis il dit, hey, ça te tente de venir jammer avec nous autres, tu sais, c'est cool. On va faire un petit trip, puis on cherche un drummer de toute façon. Je dis, ouais, c'est cool. Puis un soir, j'étais arrivé là, puis tout ce que j'avais comme instrument, c'était un snare. J'avais quoi? C'est à peine si j'avais une paire de baguettes sur moi, puis j'ai comme... J'avais un snare, une cymbale, je pense un bass drum, puis j'ai commencé à jouer. On a joué Boxing Beatbox Bed. Mais c'était une version trashée, parce qu'évidemment, elle n'était pas composée vraiment chanson, à 100%. Un peu classique qui parle d'un bonhomme qui trouve des bébites dans son lit. Chanson qui a le drôle de nom de...
groupe tous mes amis ensemble. On voulait faire de la musique pour triper. Puis il me semble que c'était pas mal ça le but. Ouais, c'est bien le fun. C'est bien le fun. J'aime bien ça jouer de la musique. Am I supposed to look in the camera or not? Remember that last time? C'est le fun. C'est, je sais pas, c'est... Did you say no? Yes? No? Yes? OK. C'est comme je veux. Tu rencontres du monde, t'as la chance de faire ce que tu veux, t'as pas besoin de faire affaire avec un boss, t'sais, c'est... plein de raisons. C'est certainement pas pour l'argent, ça, c'est une affaire que je dis, parce que ça, j'aurais lâché ça depuis longtemps. Sauf que j'ai un plaisir, ben, c'est, ça compense l'argent. I'd be willing to play music in a band for up till the age of, I guess, 65, maybe you could say, you know. Because 55 is an option. Early retirement, I mean, like, but I figure you can do it till 65. How old are the Rolling Stones? La musique, ça avait un côté, l'énergie, ça avait un côté de magique. Puis mon band, ce qui me fait triper de mon band, c'est que dans la musique qu'on fait, pour moi, c'est de la magie. Ça me donne un effet comme de la magie. Ben, j'ai jamais compris c'est quoi qui l'a fait, la magie. Tout ce que je sais, c'est que quand je suis avec eux autres, puis on fait quelque chose, puis ça fait clic, puis on est tous comme « wow ». C'est ça, la magie. On sait pas comment on l'a fait. Ça s'est passé, puis on est comme victime de notre propre création. It's off. Does that sound right to you? Dance. Je mets un couteau, ça prend pas avec le... 10, 12, 6, 8, 4, 2, who cares? Like, keep it the way you had it, 2, only the guitar, then 4 with the tom, and then... And then the changeover thing? The question is, your 2 plus the tom's 2 equals the first 4? Yeah. Yeah, 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 yeah. No, no, don't do the pause, just go. Yeah. Fuck, for a while it sounded amazing. I was totally... D'après là, tu joues. 1, 2, 3, 4. Combien de fois qu'on le fait? With the floor tom instead? Yeah, yeah. For those 4, and then we do the other changeover, it'll be totally freaky. Nice nails. Alright. Thanks, Joe.
Donc c'est ça, quoi, Grimmskunk et la dope, et la dope et Grimmskunk, c'est... C'est sûr que les sujets sont liés, c'est indéniable. Il y a beaucoup de références, oui, au cannabis. On est quand même certains membres du groupe qui sont des grands fumeurs de cannabis. Moi, je vais l'avouer, j'en suis un. Puis pour le reste du groupe, ben tu vois, il y a des membres du groupe qui fument pas. Tu tripes comme tu veux triper. C'est vraiment ça l'essence de l'affaire, c'est la liberté. Moi, je continue tout le temps à fumer de la drogue, d'ailleurs. Il y a un couple d'autres gars dans le groupe aussi. Puis c'est sûr que comme but philosophique sur la légalisation de la marijuana, c'est sûr que tout le monde dans le groupe, on croit tout le temps à ça. On croit encore que les lois, c'est une farce et un scandale tout le temps. On voulait pas juste être connu comme un groupe de poteux. Il y a un gros buzz autour de Grimmskunk au niveau du pot. Ça veut pas dire aller fumer jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cerveau, jusqu'à ce que tu sois brain dead. Ça veut pas dire fumer pour arrêter de vivre. Ce qui veut dire, ce qu'on veut dire, je pense, c'est plus d'arrêter l'hypocrisie vis-à-vis, l'alcool, c'est correct, tu sais, mais la drogue, c'est pas correct. Marijuana, you know, legalized and all that, I think it goes without saying. It bothers me when you can't get it. You know, it bothers me if you, you know, let's just smoke in a bar or something. I find it's kind of a prudish, tight-ass attitude to have. Justement, si quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu fais quand t'es pas dans un groupe, c'est quoi ta deuxième vocation? Ben, ma deuxième vocation pour moi, c'est de légaliser la drogue. Moi, je l'ai pris en pleine neige comme un parti politique. Fait que fuck le gouvernement, je t'allais de vos mensonges. Je m'en viens vous chercher, Chris. C'est sûr que j'aime beaucoup fumer de la drogue, puis marcher ou faire du vélo, ou jouer à mon piano, puis chanter des chansons qui me passent par la tête. Un catalyseur à la création, des fois. Ça peut être. T'es en train de faire chier l'industrie au maximum en ce moment. Grâce à vous, vous nous aidez dans la progression d'indépendants, comme label indépendant. Merci d'être fidèle à nous, Carlos, que ça va du bien. Fuck l'industrie! Fuck les normes! Fuck tout ce qu'on va dire qui est normal, tu fais ce que tu veux. Une chanson à l'hommage de tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, est-ce que ça à longueur d'année? Une chanson qui s'appelle La Vache. 1, 2, 3. Nous avons bousillé le temps.
fois qu'on s'est fait arrêter. Sur l'autoroute. On s'était retrouvé en prison, puis on était faire un show pareil le soir même. Police, tassez-vous sur le côté droit. En fait, on était tous dans la vanne, puis on entend juste par pied là, de haut-parleur d'auto. Là. Ils nous disent de nous ranger sur le côté, puis ça. Puis les gars venaient juste de fumer un beau gros pétard. Ça sentait le pot dans le camion au maximum. Attention, Alain, à la technique. Brise pas la technique. Ils sont-tu rendu compte qu'il y avait du pot? La police, la femme policière, elle a ouvert la porte, elle a dit « Ça sent ici! Ça sent ici! » Là, c'est comme, la police a paniqué, ils ont dit « Ben oui, qu'est-ce qui se passe? » Là, c'est comme, genre, « Chris, on va se faire buster, esti. » On était tous enlignés face au mur de béton sur le métropolitain à 4h d'après-midi, les mains dans le dos. Je dis, là, on passe, on va faire le journal de Montréal demain. La femme policière a dit « Bon, ben là, vous allez déclarer ce que vous avez dans vos poches, tu sais. » Là, tu as dit quelque chose? Bon, Peter avait quelque chose. Non, Joe l'a bouffé. Joe l'a bouffé. Peter l'avait crissé dans ses culottes. Bobo, de l'autre côté, c'est il était parti en mission pour vendre une tonne de briques. Là. Puis là, après ça, ils nous ont interrogés un à un dans une pièce. Puis avant de nous interroger, ils nous ont fouillés à nu. Quand Joe est rentré, les gars, ils ont dit ouais. Il dit, t'as lancé quelque chose par terre. Joe, il dit quoi? De quoi vous parlez? Ben, Joe était stone parce qu'il avait gobé son père. Fait que là, non, je comprends pas. Il dit, non, il dit, t'as mis quelque chose par terre, ça, c'est du pot, ça fait que c'est à toi. Je dis, de quoi vous parlez? Mais Joe, il savait pas que c'était Peter qui l'avait lancé par terre, tu sais. Fait que dans le fond, ça a créé un chaos total. Dans le fond, c'est moi qui ai été emprisonné avec Simon. Parce que moi et Simon, on devait de l'argent. Ouais. Une étiquette. Ouais, une étiquette de stationnement. Passé à peu près 5 ou 10 ans à faire juste ça, de délirer en gang avec de la drogue, avec de l'alcool ou sans drogue et alcool, mais toujours dans un délire profond en gang. Et de mes yeux, puis de mon être ou de mon âme, là, si on croit à ça, j'ai vu ou j'ai connu beaucoup, beaucoup de choses vraiment assez extraordinaires. Mon idée pour moi de prendre la drogue puis de triper, c'était comme voir un nouveau film à chaque fois. Puis là, tout d'un coup, ben je revoyais le même film. Fait que là, je me suis comme tanné. Puis j'ai réalisé que, pour moi, à ce moment-là dans ma vie, on dirait que, veux pas, je pesais sur rewind, fast forward, play, mais c'était tout le temps le même film qui jouait. C'est weird parce que, les gars dans mon band, ils continuent à triper très fort. Je suis quand même affecté beaucoup par leur état d'être. C'est genre, ça m'habite pendant le moment qu'ils sont ben stoned. Ça vient m'habiter, pas de la même manière, mais j'ai le même comme, la même longueur d'onde pendant un certain moment. Ça reste. C'est comme si, je sais pas, comme Obélix, tu sais, qui est tombé dans Marmite quand il était petit, puis... Il n'y en a plus de besoin à cette heure parce que, tu sais, aussitôt que les guerriers commencent à frapper tout le monde, il est dedans pareil. Les Français sont venus massacrer les Indiens, les Espagnols sont venus massacrer les Indiens, les Allemands sont venus massacrer les Indiens. Ce n'est pas un pays, c'est la terre. C'est la France qui voulait le faire.
Merci. Fuck you, Jean Chrétien, pis fuck you, Lucien Bouchard. Je veux rien savoir de votre astuce de merde. So what band is this? Delirium Circus. Ben, ce qui se passe en ce moment, c'est une session d'écoute là, des démos de groupe qui est envoyée chez Niska. Il faudrait faire un tri et écouter un peu sur le temps parce que des fois, on néglige que dans le fond, ce que les gens nous envoient. I mean, you could offer me, you could go back in time and offer me that Noir Silence record and you know where it's going. Yeah, I like to sign bands on how they look. I remember the band when they first started out and it was totally, I mean, it's still really indie, but we're talking indie to the point where you're in like a basement doing shows. He does fuck the press. Hardcore and do-it-yourself maison. Indica's the evolution of Grimmskunk, right? But it's still fun, even though it's a business. It's still a party. Pour un groupe, tu sais, qui est indépendant, puis qui prend pas mal toute la charge de leur affaire eux-mêmes, ça fait une surcharge de travail, mais que je trouve bien le fun. Fait que c'est pas vraiment du travail, dans le fond. C'est juste, ça veut dire que t'es fatigué tout le temps. En tout cas, il y a des périodes de rush où c'est rushant. c'est quoi, c'est comme mou, là? C'est une échelle comme d'escalade? Échelle molle? C'est une échelle... Respire pas la confiance. Deux échelles comme ça, comme qui descendent avec les stroboscopes dessus. C'est comme en métal, puis moi j'éclaire les échelles par dessous. Après ça, il y a... Une échelle, hein? Non, mais tu vas voir. Une échelle en chaîne, là, que les gens vont vouloir guérir. Non, mais tu pourras pas. Laisse-les assez bas pour que moi je puisse guérir. Ouais, toi, je te connais, ça va. Puis avec des... En tout cas, j'ai mis beaucoup de lampes, là, partout, là. Pas acheté comme les lampes rouges, coûtait trop cher. Ça coûtait 50$ chaque lampe, ouais. C'est quoi les lampes? Je vais suspendre des lampes, tu sais, comme au Fofun, les grosses lampes rouges, là. C'est quoi, toi, Boris, tu veux savoir c'est quoi? Non, c'est où? Au deuxième étage, il y a des grosses lampes rouges en forme de queue, genre, un peu, là. En forme de queue, hein? Wow! Non. Des gros pénis rouges. Boris, t'as pas vu ça, c'est non. Ça, c'est à peu près le même plan qu'au Métropolis, à peu près. Les strobes sont ici. J'en ai quatre. J'en ai quatre en haut, puis je vais en mettre deux en jaune en bas. Ouais, mais j'arrivais ça à avoir peut-être plus d'argent pour louer. Là. À 200$. Parce que là, en ce moment, le budget qu'on a, comme d'habitude, c'est 200$ pour l'éclairage, ouais. 200$ pour louer l'équipement à Montréal, puis ouais. À Québec. Puis là, ça serait comme un 200 extra. Ben 200 pour chaque soir ou 200 pour les deux soirs? 200 pour les deux soirs, 100$ de plus par soir. Sauf que si là, j'ai loué pour le samedi, je vais dire que je les prends juste pour le samedi, mais on va les prendre en cachette. C'est un des... Moi, ce qui me frappe dans Grimmskunk, c'est un des rares groupes où... Ils sont vraiment tous des personnalités différentes, quoi. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Parce que, non pas que tu t'imagines qu'ils vont se taper dessus ou quoi, mais tu vois bien que c'est vraiment des personnalités tous vraiment différentes, quoi. C'est comme une famille, hein? C'est comme des petits frères. Fait qu'on, t'sais, on s'aime puis on s'aime, puis c'est comme, il faut se comprendre, il faut se parler. T'sais. C'est vraiment une vie de famille qu'on vit. Ben, c'est correct. Because they're five guys and they're all totally different. All of them. Nobody's the same in that band. You know, Franz, if you're doing an interview with Franz now, he'd be running through that field. You wouldn't be able to talk with him. He'd be like... Joe would be like, yep, yep, yep. Boris would be going on about his pot liberation thing. Peter is kind of indifferent, quiet guy. And Alain, he's a pretty funny Quebecer type guy, you know? But, it's incredible. I look at those guys and they're all on different planets.
and they come together and make real good fucking music. Il y a du monde là-bas qui sont pas capables de nous attendre parce qu'ils ont coupé le PA. Mais ils sont jamais capables de couper le son de la liberté. Jamais! Ça, je te le jure, tabarnak! Que je suis fâché, je vais dire ça en anglais. My best friend Gumby is getting deported from this country for doing a minor offense. Meanwhile, last week, some scumbag raped a little chick who wasn't even from this fucking country, and he's still allowed to say it because he's got a fucking lawyer. Fuck him, all right? I want to fucking burn his house down. This is what we love, my best friend Gumby. I love you, I hate you, and I will always miss you. And when you realize this, assholes, you're welcome to the land of Benny Stark. Monsieur José. Ça fait deux aujourd'hui. Où t'as brossé hier? Non. À minuit, arrivons. Mais pour le 2 juin. Allez, 3 dernières, 14 heures. 3, 2, 3, 4, 41, 10 heures. Ah, ça, ouais, pour 10 heures.
Et tu veux-tu lire les paroles, Joe? Dis-moi ça, France. Por tiempo de grande pobreza y tristeza, Emiliano dejó su familia y su tierra, harto de ver tanta pena, ahogando su patria tan querida, armado de pelas y machetas, paisanos pobrecinos al grito de guerra, todos juntos y unidos para lograr llegar algo a sus hijos, a sus hijos. Font des tournées, font des choses là, que nous autres, on voyait là, gros. Là, ça se pouvait même pas. Je veux dire, en 1984, là, t'es dans un band, même faire une cassette là, sur un Ghetto Blasters, c'était comme rare. T'sais, le monde faisait des shows dans les clubs, tout. Ils n'enregistraient pas. C'était le rêve de faire un disque. T'as des groupes légendaires comme Minor Threat, leur corpus complet de musique, c'est 45 minutes enregistré. T'sais.
Fait qu'à cette époque-là, c'était des rêves inutiles. C'était juste les bandes de Californie qui pouvaient faire des tournées ou les bandes ben célèbres. Puis là, que je vois mes chums comme ça là, partir, ça me fait plaisir. Il y a pas d'envie là-dedans. Moi, je fais mes trips à moi, tu sais, mais je suis content pour eux autres, tu sais. Des fois, ça m'émeut un peu, là, tu sais. J'ai gradué de l'université, je pense qu'ils me disaient qu'ils étaient bien fiers de moi, mais tu sais, je disais, moi, je suis bien fier de toi, tu sais. On n'a pas fini loser, on aurait pu... On n'a pas toujours eu les meilleures orientations dans la vie, tu sais. Mais je sais pas, à force de croire à nos idées de jeunes punks, ça donne de quoi pour... pas juste pour eux autres, pour une couple d'autres chums aussi qui ont fait un bout de chemin comme ça, là. Fait que je suis fier de mes chums. Moi, je suis venu ici parce que je veux voir la show de Grimmskank. Ouais, Grimmskank! Parce que c'est bon. Parce que c'est québécois aussi. Ça vient de notre bout. C'est tout la gueule. Bonsoir, bonsoir, la République! On a le plus ici présent ce soir, je vous envoie chier! On vous remercie pour vos contributions financières! Permis d'abattre ceux de la pauvreté. En tant que représentant de la génération PS, je me prends cette occasion pour vous féliciter. Et ouais, super grandir en nous une si grande paresse et un dégoût total face à la société. Il va se fumer plein de drogue ici ce soir, là, tu peux pas te rendre compte, là. Bienvenue à l'an 2000, gang de soccer. Vos doigts sont suspendus, c'est le bon passé d'adieu. Permettez-vous de vous présenter, monsieur Intel, un autre crosseux. Dans un concert de Grimmskank, tout le monde a sa place. Et ça, qui, dans le fond, que tout le monde puisse se sentir confortable dans un concert de Grimmskank. Parce que c'est pas limité à, c'est ouvert à. Our Father, so we pray, thy will be done, we pray, thy will be done. J'aimerais vous inciter à révolutionner votre vie pour le restant de vos jours à partir de ce soir, de faire toutes vos décisions vous-même, décider pour vous autres qu'est-ce que vous avez envie de faire, puisque comment vous avez envie de vivre votre vie. À partir d'aujourd'hui, man, fuck tout le reste, c'est juste vous autres qui comptent, calice. Merci. On va jouer une très vieille chanson aussi, du nom de la légende d'Overhead. 1, 2, 3. Jouer dans un groupe, en particulier un groupe de rock, et en particulier un groupe de rock underground, je dirais que c'est une genre de polarité de deux extrêmes. C'est d'un fun incroyable et une difficulté presque insoutenable par moment. Hey!
vraiment, genre, t'enlèves tout ton linge, puis tu pitches dans un lac glacé, puis tu te dis, je vais aimer ça, tu sais. C'est un peu comme, tu prends un gros risque. Que je joue, ben, c'est peut-être le seul moment là, où que, ben, là, je pars. Là, c'est un autre monde, là, mais c'est comme une évasion, si on veut, temporaire. Mais c'est pas que je suis une différente personne, c'est que je suis pas là, je suis ailleurs. T'sais. Je fais des concerts, normalement, j'essaie de me concentrer beaucoup, puis j'essaie de vivre la musique pour que ça rentre vraiment, j'essaie de le sentir avec tout mon corps, tout mon esprit, la musique. Ourselves a little bit like contemporary composers, because we compose this music and we put it out at the same time we try and manage the business ourselves. And because we're doing it, I think that's what keeps us going. Our songwriting is going to lead us to where we end up, whether it's just where we are now or somewhere else, we'll see. On s'est fait chier pendant 8 ans de temps, ça va continuer encore, on se fait chier. Dans le fond, on représente un peu, dans le fond, parce qu'il y a bien des jeunes qui sont frustrés sur des choses alentour de nous, puis peut-être même au niveau international ou sur la planète. On y va? Boris, on y va? Thank you.
Ah, c'est une belle fin quand même, hein, belle conclusion. Ça peut être poche, jouer devant 50 000 personnes qui s'en foutent, pis ça peut être super cool jouer devant 8 personnes qui sont complètement dedans, t'sais, fait que pis t'as tout ce qui se place entre. Évidemment, jouer devant 30 000 personnes qui sont toutes dedans, c'est un feeling pas mal intense, là. Tu débarques de la scène, t'es pas mal plein d'énergie, de rush, t'as pas mal plus d'adrénaline. No, not this one. Oh, no? All right. Straight elevator, right down. Yeah. This takes 20 minutes. What is there? Wait, quoi long? Perhaps a chocolate chunk muffin? I don't think so. Pour manger léger. Pour manger léger, yes. Yeah, but there's always little details. That's your music playing right now. You know the cue, right? Yes, we do. What's the cue? Oh, yeah. Where's the cue? Where's the stage? No, Ben, just no. Hey, salut, man. It's T. Salon, man. Hey, man. We have time for one more song. Nous avons le temps de jouer une dernière chanson. J'aimerais prendre cette occasion pour vous féliciter d'être du peuple incroyablement beau et d'être venu nous encourager dans notre spectacle. Il n'y a rien au monde qui peut remplacer est-ce de faire de la musique pour du monde comme vous autres. Rien, Chris. Donne-moi $1 million, est-ce que, puis je le refuse. Man, Chris. I'd like to thank everybody here, whether you're from this town or not. This has been a really cool moment, and I hope you had a really good time. This song is about somebody that goes completely insane watching Rambo and Arnold Schwarzenegger and all these fucking machine guns day after day after day.
Dans nos vies, puis dans notre band, puis notre musique, de créer une extension de nous en tant que personne, de créer un modèle selon lequel on va vivre notre vie qui est basé dans notre manière de voir le monde, qui est basé sur notre système de valeurs, nos propres croyances, puis un peu de rejeter ce que le monde nous envoie, puis de décider pour nous-mêmes ce qu'on veut faire avec notre vie, puis ce qu'on veut faire avec notre monde. Puis si les gens ont compris ça, ben j'aimerais ça qu'ils mettent en application, puis qu'ils fassent leur propre choix, que les gens prennent le temps de tout questionner, ce qui se passe autour d'eux, puis de créer un modèle, non seulement pour eux dans leur vie, mais peut-être pour le reste du monde éventuellement, quelque chose qui leur ressemble beaucoup plus. En tant qu'être humain, en tant que comment que eux autres, ils se sentent vraiment à l'intérieur d'eux, à place de suivre comme des moutons dans un modèle ou un système qui peut-être leur convient pas particulièrement. C'est juste ça. Parce que je suis qu'à quelque part, pour tout le monde, il y a quelque chose qui vous fait chier en tabarnak. I'm not 100%. I'll try again. Can you make me look good? I don't want to fucking please people. I want to piss them off. I want to get people going. I want to get their hearts beating, yeah? Avec Céline Dion.